Depuis son lancement, Netflix a beaucoup investi dans ses créations originales grâce tout d'abord à ses abonnés, sachant que le fait de pouvoir projeter son nombre de clients sur plusieurs mois permet d'être plus serein quant à la production de contenu. Cet avantage lui a aussi permis de gérer au mieux son système de diffusion de séries par saison, beaucoup moins contraignant à suivre pour les spectateurs pressés que nous sommes devenus. L'augmentation croissante de nouvelles licences créant de la concurrence, elle oblige les sociétés de production à développer toujours plus de concepts, et surtout à investir toujours plus d'argent dans ces séries à succès. Tout ça, Netflix l'a bien compris. Il suffit de voir les moyens mis en œuvre sur ses dernières créations originales. Conscient que ses productions auront du mal à rivaliser avec les blockbusters hollywoodiens inondant nos salles obscures, son objectif est autre. Il compte tout simplement monopoliser l'univers des petits écrans. Et quand je dis les, je pense à tout ce qu'il y a entre un smartphone, une smart TV, LED, Super AMOLED, 3D, 4K, écran incurvé et tout ce qui va avec. Salut à tous, c'est Kazumaru et aujourd'hui, nous allons parler d'un film. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je précise dès le départ qu'à aucun moment de cette critique, je ne comparerai le film en question avec un film diffusé au cinéma. Lorsque j'ai vu le titre Cloverfield Paradox s'afficher sur mon écran d'accueil Netflix, je n'avais vu ni la bande-annonce ayant fait grand bruit pendant le Super Bowl, ni même entendu parler de ce projet. Pourtant, j'ai automatiquement pensé aux deux premiers Cloverfield qui ont marqué positivement mon esprit de cinéphile. Il n'est pas rare que le nom d'une série à succès soit utilisé pour promouvoir un film à petit budget, et ce, sans qu'il y ait le moindre lien entre eux. J'ai donc décidé de prendre ce long métrage pour ce qu'il est. Pour résumer, nous suivons un couple dont la femme est astronaute et qui, suite à un désastre dont les détails nous échappent, doit rejoindre l'équipage du Cloverfield, vaisseau composé de spécialistes venus des quatre coins du globe afin de trouver une solution énergétique à la survie de l'humanité. Vous vous en doutez, rien ne va se passer comme prévu et je vais en rester là pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas encore vu le film. Alors dès le début, le ton est donné. Nous avons affaire à un huis clos, et ce n'est pas les quelques dialogues mettant en scène l'époux qui vont détendre l'ambiance. On retrouve ici le même genre d'atmosphère anxiogène que l'on pouvait avoir dans les productions de science-fiction des années 80-90, avec évidemment comme référence ultime Alien le 8ème passager. D'ailleurs, nombre de scènes lui font directement écho. Malheureusement, même si l'hommage est bien vu la plupart du temps, les défauts inhérents au genre sont aussi présents. Je pense par exemple au développement de personnages qui est au minimum syndical et qui diminue fortement l'empathie que l'on peut ressentir lorsqu'il se passe des événements dramatiques. Il y a aussi les réactions des protagonistes qui, même si elles restent plus logiques que ce que l'on peut avoir dans les œuvres de même catégorie, sont quelquefois assez bizarres à comprendre. Pour le reste, les dialogues sont bien écrits et nous avons même droit à quelques touches d'humour ici et là qui permettent de rendre certains personnages plus attachants. L'intrigue avance rapidement et je n'ai personnellement pas vu le temps passer, même si le dénouement nous apparaît assez tôt dans l'histoire. Point intéressant et qui apporte au réalisme, il n'y a pas à proprement parler de méchants, simplement des personnalités différentes qui poursuivent le même objectif. Par contre, il est triste de constater qu'en parallèle du scénario principal, un tas de pistes sont ouvertes, ce qui aurait pu donner lieu à des intrigues secondaires intéressantes à suivre et surtout pouvant enrichir le background léger de cette histoire, mais qui ne sont en aucun cas développées. Très rapidement, j'irai que la réalisation est de très bonne facture avec des angles de caméra plutôt recherchés le plus souvent. Quant à la photographie, elle est aussi très réussie et dans le ton du film, donc rien à dire de ce côté-là. Je tiens à souligner que les effets spéciaux sont juste parfaits, même si je sais que le numérique aide beaucoup à ce niveau-là, et n'ont vraiment pas à rougir en comparaison d'autres œuvres de science-fiction à plus gros budget. Pareil pour les costumes qui arrivent à éviter le cheap 2 heures d'univers. Maintenant, je vais devoir ouvrir une parenthèse spoiler pour aborder quelques points qui me semblent importants. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous retrouve au timecode indiqué. Je disais plutôt que des voies ont été ouvertes, mais jamais développées, et c'est pour moi un des plus gros défauts du métrage. On le sait maintenant, cet épisode paradoxe fait entièrement partie de la mythologie Cloverfield, et on a pu constater que chaque opus appartenait à une catégorie différente de films. Le premier était un film catastrophe, et Ted Cloverfield Lane se plaçait dans le genre du thriller psychologique. Par contre, pour celui-ci, on a l'impression que le réalisateur a pioché dans plusieurs styles sans jamais arriver à donner une identité propre à son projet. À certains moments, on a l'impression de suivre une histoire d'épouvante alors qu'à d'autres, nous sommes plus dans le thriller. Le gros souci est que, de cette façon, le résultat perd franchement en cohérence. D'un autre côté, j'aimais que les quelques clins d'œil au premier Cloverfield ne soient pas forcés, et l'air de rien, la dernière scène du film m'a fait avoir mon petit frisson en me rappelant à qui ils avaient affaire. Je tiens aussi à préciser, et cet avis n'est que personnel, que Cloverfield Paradox s'intègre mieux et avec plus de respect pour la série dont il est issu que Prometheus n'a pu le faire avec Alien. Et je pense que ça dit beaucoup de choses sur l'état du cinéma hollywoodien actuel. C'était tout pour la partie spoiler. Vous imaginez bien que ce Cloverfield Paradox ne laissera pas un grand souvenir aux amateurs du genre, il a pourtant quelques qualités qu'il était important de souligner. Si je devais retenir un point négatif, ce serait le manque de maîtrise des différentes intrigues.
Quant au point positif, je pense à la réalisation d'excellentes factures, surtout pour ce type de production. Ma conclusion, sachant qu'il ne coûtera pas plus cher de le voir aux abonnés Netflix, je le conseillerais pour une soirée en couple ou simplement un soir où vous n'auriez pas envie de vous prendre la tête avec un scénario trop tiré par les cheveux. Alors pour finir, oui, il faut avouer que Cloverfield Paradox est plutôt moyen, surtout en rapport avec les deux premiers opus de la licence. Mais ce qu'il est intéressant de noter n'est non pas le film en lui-même, mais le chemin que prend Netflix, rapprochant de plus en plus ses créations du niveau d'exigence de la norme cinématographique. La démarche entreprise est la même que pour Bright, créer de grosses licences ou en reprendre et les développer en investissant toujours plus d'argent dessus. Et je suis d'ores et déjà sûr qu'il viendra un jour où nous pourrons aller voir une production originale Netflix dans nos salles de cinéma. Voilà, c'était ma première critique de Spy, en espérant que cette vidéo vous aura été utile. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et surtout à me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à plus les casus.